السلام عليكم الزول في الاول، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وهكذلك جي اس كا اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكلوبه وجديد على اخبار شبيبه القبائل. حصريا راح نسمعوا ماذا تكلم وماذا قال المدير العام لشركه كابا الفرنسيه على اقمصه شبيبه القبائل. كل ذلك راح نخليكم ان شاء الله تسمعوا التصريحات تاعو، ماذا تكلم وماذا قال. وانتم كجمهور شبيبه القبائل ما عليكم غير تدعمونا بلايك وتخليوا لنا الاراء تاعكم في التعليقات، لانه صراحه الاراء تاعكم تهمنا. ما رايكم في شركه كابا الفرنسيه؟ وما رايكم في الاقمصه الجديده التي صنعتها لشبيبه القبائل والعتاد الجديد باذن الله الذي سياتي من طرف هذه الشركه الفرنسيه كابا؟ خليونا الاراء تاعكم وهيا معنا نسمعوا واش قال. ان شاء الله نوليو لكم. Je commencerai par Azul Felawen, mes amis. Et donc effectivement, je suis Rémi Garnier, je suis le directeur général de Kappa France, donc basé en France, et je m'occupe de la partie du développement de la marque sur tout le Maghreb, la France et d'autres territoires où Kappa opère. Donc je suis ici puisqu'on a répondu à la sollicitation et l'invitation du président Chelloul et du club de la JSK, ainsi que de notre distributeur Kappa Algérie. Et c'est une immense fierté pour nous, pour la marque, d'être ici pour lancer ce beau partenariat avec ce beau club qu'est la JSK. Bah tout à fait, je suis pas venu tout seul et ça montre l'importance que la JSK a pour Kappa. Donc je suis venu avec quatre de mes collaborateurs, dont un membre de l'équipe italienne qui s'occupe de toute la production des maillots et du suivi de production. Donc effectivement, on va passer deux jours ici pour rencontrer les dirigeants du club, les gens du club. Demain, il me semble qu'on a une conférence de presse pour annoncer le maillot et présenter ça aux supporters du club. Et puis on va essayer de travailler sur d'autres projets, notamment de boutiques, de merchandising, pour essayer de diffuser au plus grand nombre les produits Kappa et JSK. Donc c'est deux jours intense, c'est une première pour moi en Algérie, c'est un vrai plaisir d'être là et j'espère revenir rapidement. Alors je vais pas vous voler le plaisir de le voir demain en live, mais c'est un maillot qui est issu de nos dernières technologies Combat, qui répond aux derniers standards, tout comme nos autres clubs européens ou mondiaux. C'est une coupe, vous n'en serez pas surpris, assez moulante près du corps, comme Kappa aime les faire dans ses clubs type AS Monaco, Fiorentina encore aujourd'hui. Et donc non, c'est un maillot qui sera technique pour les joueurs. Il y aura aussi une version réplica pour les fans disponible. Donc non, on a hâte de vous présenter ça. Il y a eu un travail sur le graphisme qui a été fait entre les équipes de Kappa Algérie, au siège de Kappa et le club, et en espérant que ce maillot réponde aux plus nombreux fans et qu'ils soient heureux de porter et fièrement ce maillot. Bah, je vais couper aux rumeurs, hein, et notre présence est là aussi pour en témoigner. Comme vous le savez, on est présent dans de nombreux clubs de foot au monde depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, Kappa est une marque de football à renommée mondiale. Notre logo a été porté par les plus grands et aujourd'hui, on est immensément fiers de venir à la JSK, qui est le club le plus titré d'Algérie. On a envie de participer à tout ça. C'est pour ça qu'on est venus nombreux. Je peux vous confirmer que le travail qui est fait sur les maillots, le design, provient de l'Italie et de la France conjointement. Donc on a... Non, il n'y a pas toutes ces rumeurs sont fausses et on est là pour en témoigner et vous le verrez au terme de ces plusieurs années de contrat que nous avons ensemble, de ces 3 ans, que nous allons travailler main dans la main pour faire des beaux produits de qualité et pour illustrer ce qu'est Kappa et la JSK sont ensemble. Bah, c'est l'ambition qu'on a et c'est tout le travail qu'on doit faire et on va s'engager à le faire. En tout cas, il sera traité comme nos autres clubs de premier rang. Il y a une volonté d'avoir les clubs les plus iconiques de chaque championnat. Vous le savez, on est présent dans les 5 plus grands championnats européens, mais également en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Donc on a envie de s'associer avec ces clubs-là et travailler avec eux, que ce soit en termes de produits, mais également en termes de marketing et de communication. Donc c'est aussi, et ça fait partie des réunions de travail que nous avons aujourd'hui et demain avec le club, c'est de pouvoir communiquer ensemble et faire profiter au club de notre audience Kappa. Donc voilà, les équipes vont travailler ensemble, les équipes marketing du club notamment. Et en tout cas, c'est l'ambition qu'on en a et j'en suis convaincu qu'on le fera. Alors on y réfléchit et c'est un peu aussi la raison de notre venue. Alors encore une fois, je ne vais pas tout annoncer aujourd'hui parce qu'il y a du travail et c'est un peu la raison de notre venue. Mais on a envie de dynamiser un petit peu ce partenariat, sortir un petit peu des sentiers juste du maillot. Clairement, c'est une des forces de Kappa aujourd'hui dans les clubs, c'est de pouvoir apporter notre offre lifestyle avec les survêtements, les polos, etc. Donc c'est un peu tout ce travail-là qu'on est en train d'entreprendre pour permettre d'avoir une collection assez riche, assez importante et que tous les fans de la JSK qui se trouvent en Algérie, en Kabylie ou ailleurs, et notamment il y en a beaucoup en France, je le sais, puissent se procurer cette collection et que ce partenariat et ce logo soient portés par le plus grand nombre. Bah écoutez, je voulais vous remercier déjà de l'accueil qui se passe divinement bien pour le moment et j'en suis convaincu encore demain. Je crois que j'avais appris la phrase de la devise du club qui était, si je ne me trompe pas, SASK, JSK, TELA TELA.